Bon matin à tous. Je me présente, je suis Julie Saint-Pierre, animatrice à Énergie, et c'est moi qui vais être maître de cérémonie ce matin pour la conférence de presse pour cette semaine de prévention qui s'amorce pour la face cachée des salons de bronzage mis sur pied par la Société canadienne du cancer. La campagne qu'on lance en ce moment, qui va avoir lieu vendredi à l'UQAM, le 23 septembre de 10h à 18h, évidemment c'est une initiative de la Société canadienne du cancer, vous offre à tout le monde, gratuitement, l'opportunité de voir votre face cachée. Vous resterez peut-être surpris d'apprendre que le cancer de la peau est le cancer le plus courant au pays. Également, merci à la Société canadienne du cancer qui se joignent à l'Association des dermatologues autant du Québec que l'Association canadienne de dermatologie pour répéter le message que nous donnons là, depuis plus de 20 ans de se protéger contre le soleil et les rayons ultraviolets artificiels. On espère que notre message va être entendu par les jeunes et transmis par un grand nombre de Québécois qui vont choisir de nous appuyer. Merci. Moi, je ne vais pas au bronzage, mais j'ai plein d'amis qui vont souvent, puis que bon, ben, des tests comme ça, c'est bien pour eux, pour voir, dans le fond, s'ils ont des problèmes quelconques. Avec les photos, on voit clairement ce qui se passe. Donc, après ça, on peut en jaser, puis on s'appuie sur des faits, comme ça. Mais on le sait toujours que c'est nocif, puis on y va quand même au salon. Là, même si j'avais 17 ans quand j'y allais, je savais que c'était nocif, je suis allée quand même. Mais je pense que peut-être que ça va être justement une alarme pour celles qui y vont encore, qui y vont souvent quand ils vont voir leurs photos. Contente que... S'il peut y avoir de la réglementation, surtout pour les jeunes en bas de 18 ans qui sont peut-être pas au courant de tous les effets des salons de bronzage.